des beaux 0-0. Celui-là, on ne peut pas dire que ça soit le cas. On a eu une équipe de Bastia qui a très très bien défendu, qui était très regroupée. Et nous, on n'a pas réussi à mettre de rythme, à mettre de folie dans notre jeu offensif. On a pêché dans peut-être un enchaînement de combinaisons pour les déstabiliser. Et à l'arrivée, c'est vrai que c'est un match où on reste sur notre fin et c'est un petit 0-0. C'est sûr que pour basculer, il faut faire une bonne série. Et à l'inverse, quand on est sur trois matchs en victoire, obligatoirement, les autres, si ça avance, ça creuse. Donc le constat, il est là. Voilà, faut continuer à travailler. Comme je l'ai dit, c'est ce soir la déception, c'est justement de ne pas réussir à se créer plus de situations. Et comme je disais, des fois il y a des 0-0 où on se dit bon il manque le. Mais là on a malheureusement on ne s'est pas créé d'occasion, à l'inverse de Marseille par exemple, où on a eu des situations. Donc voilà, c'est le travail qui est à accomplir et pour pouvoir gagner des matchs et notamment à domicile. C'est un bon point pris, on ne pouvait pas espérer mieux par rapport aux occasions qu'on s'est créées, mais avant le match on aurait pu penser bien pire. Voilà, ça fait plaisir de faire ce genre de match-là quand on voit le comportement des joueurs sur l'aspect tactique, mental. On a beaucoup défendu, mais on n'a pas fait énormément de fautes. Je veux dire, on a été beaucoup dans la maîtrise. On peut regretter le fait qu'on n'ait pas apporté le danger comme on sait le faire, mais il y avait énormément de chances. Je veux dire, nos possibilités actuelles ne nous permettaient pas d'être ambitieux dans le jeu. On prend beaucoup de buts. Les joueurs ce soir sont très fiers. Et je suis très fier d'eux de ne pas en avoir pris ce soir, ici, surtout ici, où c'est jamais simple de prendre un point, surtout après avoir perdu 3-0 chez nous contre la même équipe mercredi. Avec une défense qui a été remaniée, avec des choix de votre part un peu étonnants. Oui, bon, ça c'est les aléas d'une semaine ou d'une saison. L'inquiétude était à beaucoup de niveaux parce que j'ai fait des changements par rapport à mes choix. On avait aussi beaucoup d'absents suite à des blessures. On aurait pu présenter une équipe peu équilibrée, mais elle l'a été. Chacun a compris que sur ce match, il était important d'être très solidaire, très impliqué, très concentré. Voilà, moi je suis en quête depuis plusieurs semaines d'une constance sur un match et sur une succession de matchs et puis un équilibre offensif-défensif. Voilà, donc on n'est pas encore dans cet équilibre-là. Ce match nul, il m'a même parfait de victoire, mais il va faire du bien justement pour mentalement aborder les prochaines échéances. Et on sait qu'on est capable, même contre une équipe qui joue la Champions League, de ne pas prendre de but. Donc c'est une référence importante.